Bonjour, je vous retrouve pour ce troisième jour de challenge. Et aujourd'hui, la lecture que je dois faire, c'est celle-ci. C'est donc Méduse, qui fait partie de cette petite collection de l'autre côté du mythe. Il y a 3 tomes déjà de sortie. J'ai lu Ariane, que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est des tout petits livres, donc c'est pour ça que je l'ai pris aujourd'hui, parce que comme je vous l'avais expliqué hier, je pense, cet après-midi, j'ai des rendez-vous. Donc, je serai partie une bonne partie de l'après-midi. Et là on est midi 20, donc je dois partir dans une grosse heure, donc je vais pouvoir l'avancer. Là ce matin j'ai fait 2-3 petites choses déjà et j'ai commencé un petit peu à lire. Je suis à la page 38. Après ça va se lire très très bien, surtout que j'ai déjà vu que ça s'arrête ici. Donc vous voyez toutes les pages qui sont ici, on a les notes de l'autrice, on a un glossaire, donc ça c'est vraiment top, et on a les remerciements évidemment. Et ensuite, on a un ou deux chapitres, le premier chapitre, d'après ce que je vois, de Ariane. Du coup, le livre fait en tout et pour tout 143 pages. Donc, ce sera tout à fait faisable aujourd'hui et je suis assez contente. Si je vois que je le termine vraiment très vite, j'entamerai un autre livre et... on verra bien où j'arrive à la fin de la journée, mais quoi qu'il en soit, on verra ça bien entendu. Donc voilà, j'ai lu 38 pages comme je vous l'ai dit. Pour l'instant, j'aime bien, c'est des réécritures de contes. Donc ici, on va suivre Méduse, hein, qui est ce personnage que nous connaissons bien, qui est pas mal exploité, pas mal repris justement dans la littérature actuellement. Il y a déjà eu pas mal de livres et de réécritures faites sur ce personnage. Donc ici c'est un peu le même principe, on va suivre Méduse qui se sent clairement à part. Elle est née avec deux autres sœurs, donc ce sont des triplés en fait, et elle est différente de ses sœurs déjà parce que on apprend qu'elle est mortelle, et durant l'accouchement il y a eu pas mal de petites complications quand elle est arrivée, et du fait de cette différence, ça se passe pas très bien avec son père, mais elle est très choyée par ses sœurs, sa mère. Il y a Athéna aussi qui garde un œil sur elle. Elle est très choyée, mais même un petit peu trop, ce qui la met à l'écart. Étant donné qu'elle est mortelle, tout le monde fait super attention à elle pour pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Et du coup, elles sont vraiment coincées, oppressées. Elle n'a pas l'autorisation de faire pas mal de choses. Et du coup, voilà, elle est un petit peu frustrée par certaines choses. Elle se sent clairement à l'écart. Donc, je vais continuer à lire et on verra bien ce que ça donnera. Je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. Je dois aussi m'occuper de mes plantes avant de partir. Bref, c'est autre chose. Je vous retrouve un peu plus tard, sans doute cet après-midi, pour parler de l'avancée de ce petit livre. À tout à l'heure.
je vous retrouve plus tard dans la journée, il est passé 18h. J'ai fait ce que j'avais à faire cet après-midi, je suis rentrée et j'ai terminé ma petite lecture. J'avais déjà bien lu dans la matinée avant de partir, il me restait plus ou moins 40 pages à lire, donc j'ai fait ça en rentrant. Du coup, j'ai terminé le troisième livre pour le troisième jour de challenge. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. C'était vraiment très très bien fait. Ce sont des livres qui sont très qualitatifs. Je vous les recommande si vous vous intéressez à la mythologie ou réécriture de mythologie. Ce sont à chaque fois des tout petits livres qui sont tout fins et qui sont vraiment très bien faits. Alors, je vous avais montré, je pense précédemment, j'avais fait des petites plan, mais il y a des thématiques qui sont difficiles à aborder et c'est signalé à l'avant. Je trouve ça très bien, surtout que c'est adressé plus à de la jeunesse qu'à un public adulte. C'est indiqué qu'il y a des thématiques difficiles comme le viol et le suicide. Et c'est bien parce qu'effectivement il est question de cela dans cette petite lecture. Donc on va suivre Méduse, comme je vous l'expliquais, qui est une jeune fille qui a deux sœurs. Ce sont des triplés. Et Méduse est différente de ses deux sœurs qui sont immortelles, étant donné que leurs parents sont eux-mêmes des divinités. Méduse, elle, est mortelle. Il y a eu un petit souci lors de l'accouchement et son père ne l'apprécie pas énormément, mais elle est quand même choyée par sa sœur et par ses sœurs et sa mère. Elle est un petit peu la protégée d'Athéna et sa vie va prendre un tournant décisif le jour où il faudra fêter les noces de Poséidon avec une déesse qui est la cousine de Méduse. Méduse et sa sœur vont se rendre aux noces et là il va se passer quelque chose de dramatique et ça va changer Méduse à tout jamais et elle va prendre l'apparence de celle qu'on connaît, qui pétrifie ses ennemis avec les cheveux fort agités et dangereux qui ressemblent à des serpents. Voilà pour l'histoire, mais j'ai beaucoup apprécié cette approche et j'ai eu beaucoup de peine pour cette jeune fille, pour Méduse, qui vit des choses dramatiques, extrêmement difficiles et qui subit toutes ces choses au final. Et qui est elle-même punie alors qu'elle n'a rien fait de mal. Donc c'était très bien amené. Donc voilà, c'était une très très chouette lecture. Si vous appréciez la mythologie et si vous appréciez la mythologie, je pense que ça peut bien vous plaire. En tout cas, moi ça m'a beaucoup plu. Et oui, ça m'a beaucoup touché cette histoire. Finalement, beaucoup plus que ce que je pensais. Parce que je m'y connais un petit peu en mythologie quand même. Et cette approche est différente et ça a bien fonctionné avec moi. Donc voici pour ce petit livre, je vous avais dit, il y a un glossaire ici à la fin. Je trouve ça très bien parce qu'il y a pas mal de mots qui ne sont pas traduits, qui sont restés en grec et c'est intéressant d'avoir le petit glossaire. Après j'aurais préféré parce que au début, en tout cas dans la première page, on a des petites notes de bas de page. Et je trouve ça quand même plus pratique d'avoir directement la définition en note de bas de page que de devoir à chaque fois aller à la fin pour consulter le glossaire. Mais c'est vraiment un détail. Ils peuvent se lire tout à fait indépendamment. Je vous ai dit que moi j'ai lu Ariane. Il y en a encore un autre qui existe, me semble-t-il. Je pense qu'il y en a trois. Et on peut les lire dans n'importe quel sens. C'est pas un récit suivi, donc moi j'avais commencé par Ariane, ensuite j'ai lu Méduse, mais on peut faire l'inverse. Il n'y a vraiment aucun problème, c'est à chaque fois des petits one-shots. Donc voici pour celui-là, très très bonne lecture, je suis contente de l'avoir faite malgré les émotions que ça procure. Voilà pour cette journée, on verra bien ce que je choisis demain comme lecture. Je pense que là je vais pouvoir prendre un livre un peu plus épais parce que là j'ai du temps de lecture dans ma journée, en tout cas beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ou sinon, que vous dire, oui je suis passée faire quelques courses et j'ai récupéré des petits livres, je peux vous montrer ça ici. Alors il y a une partie de livre neuf, une partie de colis Vinted que j'ai été récupérer. En livre neuf, je me suis pris des petits poches. Il y avait une offre, c'était 2 plus 1 gratuit. Donc je me suis pas fait prier. Et j'ai d'abord pris Liane Moriarty. Je vous ai parlé de Liane Moriarty il y a peu de temps vu que j'ai terminé. Oh, c'était quoi encore le titre? Je ne sais plus. Le secret du mari.
c'était ça. Donc, je vous avais dit que j'allais me laisser tenter par d'autres titres de Liane Moriarty parce que j'aimais vraiment bien ce qu'elle faisait et je suis tombée sur deux titres que je n'avais pas encore, à savoir À la recherche d'Alice Love et un peu beaucoup À la folie. Donc j'ai pris ces deux-là et pour faire le troisième et avoir l'offre, j'ai pris un Agatha Christie, Les Sept Cadrans. Il n'y a pas Hercule Poirot ni Miss Marple, je pense, dans celui-là. Non, c'est pas mentionné. Je verrai bien ce que ça donne. Et alors, j'ai aussi craqué pour celui-ci, qui est donc La Bibliothèque des Ombres aux éditions de Saxus. C'est fait par Rachel Moore. C'est un livre qui me faisait très envie et à la base, je voulais me le prendre en relié. Parce que je trouve qu'il est très beau en relié, il a un magnifique jaspage qui est, ça fait bibliothèque, c'est très très beau. Et il n'y avait que le brochet au magasin, je me suis dit que j'allais attendre. Et puis j'ai regardé le prix, j'ai vu que celui-ci était à 16,90€ je pense. Et le relié, je regarde parce que je me l'étais noté, le relié est à 25,90€. Et quand j'ai vu la taille du livre, je me suis fait, non, ça c'est abusé. Le livre fait à peine 325 pages. Il est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Et là, je me suis dit que non, ça, trop istevel, comme on dit ici. Que c'était beaucoup trop de différence au niveau des prix. Pour l'épaisseur du livre, je trouve que c'était abusé. J'achète quand même pas mal de reliés avec jaspage, je trouve ça très beau. Mais alors il faut un livre en conséquence. Il faut quand même un certain nombre de pages. Pour 300 pages, je trouve que presque 26€, c'est abusé. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, bien entendu, hein. Chacun est libre de choisir et d'acheter ce qu'il veut, mais moi je trouvais que c'était un peu trop cher payé. Donc je me suis pris en brochet, il est très joli, je crois que c'est la même couverture que celui du relié et il me fait très envie. Donc j'aimerais le lire dans pas trop longtemps. Donc ça c'est pour les livres neufs. Au niveau des livres d'occasion, donc ça vient de Vinted. Je m'étais commandé il y a un petit temps celui-ci qui est L'Archipel des Dieux, le sacrifice aux éditions Casterman de Amy Kaufman, qui me tentait vraiment beaucoup et je l'ai eu pour un prix très intéressant. Il est dans un état tout à fait neuf, donc je suis ravie. Après, en ce qui concerne les livres d'occasion, je fais toujours très attention et je les prends qu'en état neuf. Je me suis aussi pris celui-ci, La Première Née de Amy Harmon aux éditions Charleston. Vous avez dû le voir passer. Là, on est sur un relié avec jaspage qui coûte effectivement 26,90€. Donc, comme l'autre, j'en reviens à la petite discussion. Le relié est comme ça, il est très joli. Donc, il est au même prix que le de Saxus. Par contre, ici, on est quand même sur 500 pages. Donc là, je veux bien. Et encore, je l'ai trouvé sur Vinted, donc je l'ai payé beaucoup moins cher. Mais là, effectivement, si je l'avais pas trouvé sur Vinted, je l'aurais acheté en neuf et ça m'aurait pas dérangé parce qu'il y a quand même 500 pages, donc je comprends le prix. Aussi, non, je vous l'avais annoncé, je m'étais trouvé le second tome de ce petit préquel, je pense, qui est De Lave, de Métal et de Rage, de Alexiane Delis, et aux éditions Michel Lafond. Et voilà, je vais l'ajouter à ma palle de cette semaine pour voir si j'ai le temps, l'occasion de faire cette lecture. Bon, d'abord, évidemment, il faut que je commence avec le premier tome, mais en tout cas, j'ai le second. J'ai également craqué pour celui-ci, qui est La Ville Miraculeuse de Silène Edgar aux éditions Bragelonne. Alors, c'est un tome 2 et 3. J'ai le premier tome qui est dans ma palle, qui n'est pas encore lu, mais qui me tente énormément. Et je suis tombée par hasard sur ce deuxième tome sur Vinted. C'était le seul qui était disponible et le seul qui était aussi dans un état neuf. Je pense que le livre, il a sans doute jamais été lu. On en a pour son argent parce que c'est très très serré au niveau du texte. La police est assez petite, l'interligne est aussi assez petite. C'est un livre qui fait
550 pages. Donc j'espère que j'apprécierai beaucoup cette histoire. Après, j'ai vu aussi les notes qu'il avait sur Livre Addict et elles sont très bonnes et le résumé évidemment me faisait très envie. Alors voilà, j'ai craqué, il était beaucoup moins cher. J'ai également craqué pour celui-ci qui est aussi un tome 2. C'est Le Château des Nuages de Diana Wynne Jones aux éditions Inis. J'ai le premier tome aussi dans ma palle qui n'est pas encore lu. Et j'aimerais me lancer. J'ai trouvé le second tome à 4 €. Donc j'ai pas réfléchi plus que ça. Je pense que je vais apprécier. Là aussi, j'ai entendu des bonnes choses à son sujet. Si vous avez fait une de ces lectures, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, bien entendu. Mais en tout cas, je suis contente de l'avoir en ma possession. Donc ça, c'était pour les petites réceptions qu'il y a eu aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est tout. Je vais vous laisser ici et préparer le montage pour vous poster cette vidéo pour demain matin. Et je vais déjà réfléchir à ma prochaine lecture, une un peu plus conséquente qu'aujourd'hui. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie de votre présence. J'espère évidemment que ça continue à vous plaire, mais je pense que oui, j'ai l'impression que oui, au vu des commentaires. Donc je vous remercie pour tout cela, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis du coup à demain pour une prochaine vidéo.